Ça regarde là, c'est 100 dollars canadiens. Oui, 100 dollars canadiens. 100 dollars canadiens, ça vaut plus ou moins 75 dollars américains. Dans cette vidéo, ça va expliquer combien de gens ont fait au Canada, les gens qui travaillent avec salaire minimum. Ça veut dire que les gens touchent plus petit cob ici à la Canada. Ok. Quand on va commencer avec le salaire minimum que les gens ont touché au Canada. Canada, ça dépend des provinces qu'on travaille là, il dépend des cobs qu'on pourra toucher. Canada, Jean Canada fonctionne, le travail, il paye au palais, qui est différent d'un pile d'autres pays qui est payé par mois. Par exemple, je suis en train d'Argentine, c'est par mois qui est payé. Ici à Canada, c'est palais, il paye mon yo. Et salaire minimum, il est de 17 à 20 dollars. Là, et ça dépend de la province qu'on est. Mais pour nous faire vidéo, on apprend on apprend 18,5 $ parce que j'aime dire non, ça dépend des provinces. Quand on a touché 17 dollars, quand on a touché 18 dollars, quand on a touché 19 dollars jusqu'à 20 dollars comme salaire minimum. Peut-être pour nous prendre une moyenne, on apprend 18,5 $. Comme on travaille 4 semaines, ok, 4 semaines, non? Et on multiplie le par 40 et les, on peut travailler 40. Et par semaine, ok, la minimum en tout 2 960 $. Ça veut dire c'est comme ça, wap café l'an yon mois, 2 960 $. Kounya la zon yon pa myo, puis vous pensez que tout 2 960 $, ça après le rete dans poche. Ici à la son pays, ou pas l'obligé payer taxe. J'en ai pays à Bella, j'en ai qui. Yo prend son pays à, et parce que moun yo paye taxe normal, j'en aussi posé payer, et yo pas prato taxe là, ou pas capable payer taxe là. La taxe là va varier de 13 à 15%, ça dépend des provinces coréennes. Et pour nous parler pour moi, nous avons 14%. Pour nous faire calcul, l'ensemble va montrer. Par exemple, si nous avons 14%, le carbone 415 ou 414 dollars comme ça, sous retiré en 2 900, la vénérité est 2 500 $ dans le même monde, qui est comme ça qui est net dans le même monde, netto, côté monde pour le café, pour le payer tout ça, pour payer pour le vivre ensemble avec comme ça. Quand il y a question à poser, est-ce qu'il est possible pour nous vivre ensemble avec 2 500 $? Je vais faire un petit calcul ensemble pour peut-être pour qu'on est-ce qu'il est possible? Par exemple, là, ça dépend des provinces. Côté mon nom, il y a tout. Les cas où on caille de 800 à 1200 dollars comme ça. Et ça dépend de si mon nom c'est 3 mounes, si c'est 4 mounes, si c'est un seul grand monde. Je prends un exemple, par exemple, si c'est un seul monde, ou cas où on caille. L'an 800 à 1200 dollars. Peut-être pour nous, par exemple, toujours on prend 1000 dollars qui sont moyennes, qui ont tapé un caille pour 1000 dollars, ok? L'an on retire 1000 dollars, l'an 2500 qui était arrêté, ou on vient retirer l'an 1500 dollars. Quand on va aller pour manger, parce qu'il faut que l'on mange, il faut que l'on mange, et si on a dit que l'on retire 500 ou 600 dollars, par exemple, on va gaspiller 400 à 600 dollars pour manger comme ça. Mais pour nous prendre un moyen, on a retiré 500 dollars. Ça veut dire que retirer 500 dollars, on a prêté avec 1000 dollars en poche. Avec 1000 dollars, ça qui c'est 1000 dollars canadiens, qui cabo presque 750 dollars américains, c'est comme ça qu'on a arrêté en poche. Bon, je connais un peu de monde qui va parler de là, des sous mon appel assurance machine, soit penser de l'autre bagaille. Bagaille, ça ne va pas venir plus que 100-200 dollars. Ça veut dire que n'importe janvier, ou a toujours rete un cob l'empoche ou qu'on a fait une économie. C'est un pays qui fait payer ça, c'est un pays qui baille une grosse opportunité. Ça, c'est un pays qui est vraiment bon pour le monde parce que leur travail, au moins, carré ton petit cob sous canon pour sous un problème, peut-être pour cas, un côté pour mettre mon pour prendre. Ok? Quand y a la zone, famille, question m'a posé, combien de cob ou a touché même en Haïti? Ou même qui vivent en Haïti. Dans le pays où tu vis là, combien de salaire minimum est-ce? Ou même qui vivent dans l'autre pays, je connais l'Amérique latine, combien de salaire minimum est-ce? Est-ce que vous touchez là? Est-ce que vous arrivez à faire une économie de gens montrés dans là de 700 à 800 dollars américains dans l'offre de payer toute taxe, toute sorte à supposer payer pour vivre? Je vais vous donner une réponse dans les commentaires.